T'es très sensible pour une meuf de bagnole. I'm really what? Oula! Nous sommes à Atlantis Beach. Enjoy. Là, on est arrivé du coup à la Bahamas. L'aéroport, il est trop cute. Moi, j'ai pas trop le temps de fumer parce qu'on a dû faire tous les contrôles et tout. Et là, bah, c'est le parking. On a loué une voiture pour 2 jours. Là-bas, il y a mon tonton chez qui on va dormir et tout. Mais de base, on devait rester. On devait avoir un chauffeur et tout. Mais bon, le chauffeur, à la dernière minute, il a acheté. Du coup, on a dû prendre une location de voiture. Donc pour 2 jours, et après le chauffeur il nous reprend, du coup voilà. Bon, regardez, là on est arrivé chez mon tonton. La vue de dehors et tout. Là où on va dormir, on a une chambre et tout. On est 3. Et après je vais pas montrer le reste parce que bah, l'intimité des gens. Mais du coup franchement on est bien, regardez le lit, il est géant. On a déjà défait le lit. Moi en blanc, mon mari en blanc, ma cousine en blanc. Let's go to the fire. Moi, sans bikini, sans monokini, en cas trouver moins bien toto, ni sans bikini, sans monokini. Là, on va manger dans un restaurant qui s'appelle Ouindros. Il y a un peu de tout, j'ai trop faim. Il y a énormément de choix. C'est bon? Ouais. Chicken burger, il ouvre le pain. En fait, c'est séparé, genre. Là, on a pris de manger. On va aller à la plage. On a voyagé et tout, on a pris l'avion. Profitez au max. Toto. YouTube. Yeah. Me? Yes. Oh, Dana, chérie. Dana, oh, c'est un hypocrite. Mais pourquoi, Dana? Je ne parle pas parler français. Mais si tu parles français. Pas français, créole. Parler français. Oh, c'est ça. Allez. Dégonne pas les pourquoi français. Ça? Bahamas et à Paris, c'est pas pareil aussi. Mais pourquoi tu parles pareil? C'est pas pareil, on parle même pas. Attends, parle. Bahamas, non, mais... à Paris, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Explique. Si vous travaillez, méritez un salaire aussi. Non. You speak in French? Spanish. French, non? No French, Spanish, English. Speak in French. I want to tell me. How are you? Okay. Suis Kiki. Je vis à Bahamas. Je viens de recevoir mes invités. Oui, il parle français, il est blague là. Mes invités, mais maintenant, je prends mon plaisir de visiter les lieux avec vous. C'est tout. Il a dit qu'il voulait pas manger, il est en train de taper ça quoi. Regardez, les Américains, ils boivent des trucs big, bien fat. Ah, regardez ce Fanta, regardez. Fanta mystère. S'il vous plaît, regardez, wesh, pourquoi les Américains sont comme ça? C'est pas obligé de faire des gros pots comme ça. Pourquoi faire des pots comme ça pour du cheddar, genre? Que des gros pots, regardez les épices, ça fait peur, en vrai. C'est un cauchemar. Genre tout est fat, c'est pour ça qu'ils sont fat. Ma tenue du jour, je sais pas si on va entendre parce que du gros compas de là-bas. Voilà, comment je me suis coiffée aussi, j'ai fait ça. Donc là, le compas c'est la meilleure musique du monde. Du coup, ma outfit. Là, on va aller prendre la voiture, on est prête et tout. On va aller à Paradise Island, c'est là où il y a tous les beaux trucs et tout. Où on peut faire les activités et tout et tout. On va essayer de faire au moins peut-être 1 ou 2 activités aujourd'hui. De toute façon, on reste ici quand même 10 jours. Donc voilà, et on va essayer de voir hein, parce que ici c'est, sachez que c'est très cher les Bahamas, c'est une île qui appartient aux États-Unis et c'est une île faut les pépettes, c'est vraiment cher, genre c'est une destination, faut bien préparer et tout avant d'aller. Sachez que nous notre voyage on le prépare depuis août. Donc voilà, si vous pouvez même faire avant, genre si vous voulez aller aux Bahamas, vous vous organisez 8 mois à l'avance et tout. Parfait, après nous on n'a pas d'hébergement à payer, c'est vrai. Et les hôtels ici, genre ils sont entre 2005 à 6000 la semaine. Donc voilà.
pas... Comment on ne peut pas aimer le compas? Là, on est en train de réserver nos activités. Déjà, chasser. Sachez que, par exemple, regardez, vous allez voir la preuve en image. Une activité de 199 € pour... je sais pas trop c'est quoi. Mais en gros, sachez que les activités, tout c'est 200 € une activité. On a trouvé quelque chose qui ne nous arrangeait pas de base. Mais bon, franchement, si vous venez ici, bah faites ça, hein, parce que c'est mieux. En gros, 200 $. Et vous avez nager avec les poissons, snorkeling, la swimming, oui, la jet ski et banana boat. Pour 200 €, franchement, c'est archi pas cher, mais en fait, on aurait aimé. 200, ouais. On aurait aimé le faire en plusieurs jours, mais c'est pas grave. Mais en plus, dedans, il y a la plage, il y a les chaises, la boisson à manger et tout, donc en soi, trop bien. Nous sommes à Atlantis Beach. Regardez les Minute Maid. On a goûté cranberry, apple, raspberry. Genre c'est pomme, cranberry et framboise. C'est archi bon. Avec ça aussi. Pêche, mangue. Et je vous jure, c'est archi bon. Faites ça en France s'il vous plaît, au secours. Validé parce que à chaque fois, pour qui moi senti obligé, pour qui moi aimé, on s'enlève. Et la couleur de l'eau, c'est incroyable. Monsieur, il veut me forcer à nager alors que je sais pas nager. Du coup, bon bah finalement, j'ai mis un petit gilet comme ça. Ah yes. I know, but I'm scared. Ils forcent tous, donc du coup, je vais aller. T'es très sous ça pour une meuf de bagnole. Le waterproof pour l'eau là, pour le téléphone. C'est trop beau les Bahamas, venez aux Bahamas. Faites-vous beaucoup d'argent avant de venir ici, d'accord? Alors je vous explique, Diana, elle a sauté dans l'eau et elle a peur, donc c'est pour ça qu'elle est ici. Relax Diana. T'inquiète, pas plus relax. Non, yes, I'm ready. Yes. Attends, on est monté, je t'ai tout dit. I'm just sitting on it like this. Eh, m'a tombé. Attends. Alright, you got it? Yes. Don't panic. Thank you. Can you take a eat for fish, please? Yeah. You can take food. Yeah. For fish. Yeah. Et... Sophie, l'homme de ta vie, n'arrive pas. Oui. Yana. C'est pas mieux à soi. Pourquoi? Et là, il commence à trembler, là. Il a une kérigone jaune, là. Elle a 40. Ah, pas vrai. 35 moins gay. Oui, ça va. C'est pas un problème, en fait. Hey, salut, Tia. Ça va? Ça va et toi? Alors, tes deux jours à Nassau. Super. T'as kiffé ta journée d'aujourd'hui? Ouais, c'était trop bien. On a fait quoi? Alors, aujourd'hui, du coup, on a fait du bateau, ensuite on a fait de la plongée et après on a fait du jet ski. Mm. On allait sur l'île Le Cochon, mais on n'a pas fini. Les cochons ne nous ont pas respectés. Ouais, c'était trop bien. Moi, j'ai kiffé les deux en tout cas. C'était mes deux activités préférées. Après, j'aurais préféré voir aussi les cochons, mais malheureusement... Après, on devait faire quoi? Banana. Mais c'est bien. Imagine, on n'aurait pas fait le jet ski. Ouais, on a eu de la chance. Là, on va... Où on va? En parc aquatique, là. Atlantis.
On va à parc Atlantis. Un parc aquatique, du coup. Voilà, on va tout vous montrer. Regardez le outfit. On va bien s'amuser. Il est midi 14 et là on va faire des activités. Du coup je vais vous montrer ça. T'as dit quoi? On n'a pas pris le cochon. Non. My my mother from Haiti. Yes, but you must be fluent. We have some kids to church and every day they're born here. Bon, là, on vient de boire des petits cocktails et tout. D'être fini, on avait trop soif. Et là, on va faire du bateau, du coup, on va faire les activités qu'on n'a pas pu faire hier. Parce que hier, on a fait jet ski et on a fait snorkeling. Donc là, on va prendre le bateau et tout, on va faire du bateau et on va aller à l'île Rose Island. À Rose Island, on va faire, on va nager avec les cochons. Yeah! Et on va faire du banana. It's not the same driver. Loul me souvient. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Regardez, ils nous foutent l'eau partout là. Bon voilà, du coup elle va aller avec dans nous l'eau. Non pas du tout. Allez viens avec nous. Elles vont sauter dans l'eau. Oh, regarde les cochons. Elles vont sauter et elles vont nager jusqu'à là-bas. Regardez, hier on a fait du jet ski et tout, mais on n'a pas pu filmer parce que mon appareil il avait plus de batterie, mon téléphone il avait pris l'eau. Mais en gros, voilà quoi, ils nous emmènent ici sur une île et tout, qui est très belle. Regardez la couleur de l'eau encore une fois. Oula! C'est beau, hein? C'est beau? De base, on devait faire les activités et le bateau il s'est barré sur nous parce qu'on n'est pas arrivé à temps et on est bloqué avec des crackheads. Ma marraine, ma cousine, des crackheads là-bas et des cochons. Oui, oui, oui. Du coup, on est bloqué. Du coup, bah, on est sur l'île quoi. On profite de l'île. Ouh, on est bloqué, venez nous chercher.
Non, vraiment, je suis fier de toi. Mais tais-toi. En plus, là, c'est mon anniversaire. C'est pas mon anniversaire, en fait, en France. Oh. Bah, putain. Je suis vraiment fier de toi. Au Bahamas, c'est pas ton anniversaire. Il comprend pas. Il comprend pas. Au Bahamas, c'est pas encore mon anniversaire. Et lui, il me fait... Il s'est dit comment? Je suis vraiment fier de toi, de ce que tu as accompli. Il en a rien à foutre de ce que tu racontes. Il veut juste dire ce que tu as dit. Vas-y, Anis, pas. De t'avoir rencontré, vraiment, je voulais te dire que merci de ce que tu. Merci parce que bah, grâce à toi, j'ai découvert, bah, j'ai découvert Jésus, j'ai découvert l'église, j'ai eu la paix. Et c'est aussi toi qui as permis que. Que je sois différent, que vraiment je puisse pardonner aussi ma mère, que j'ai pu faire plein de choses. Si vraiment tu n'aurais pas été dans ma vie, et bah, j'aurais été aussi perdu sur plein de choses. Et je te remercie parce que pour l'amour que tu as, vraiment pour l'amour que tu as, pour tout ce que tu fais aussi, tout ce que tu donnes, tout ce que tu sais dans la vie des gens. Parce que tu as un exemple aussi pour plein de personnes et aussi pour moi. Parce que. Même s'il y a des personnes qui ne croient pas en toi, ben moi je crois en toi. Amen. Vraiment. Amen. C'est ça, nous voulons t'en dire. Non, mais je crois vraiment en toi. Et je sais que tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Et ensemble aussi, j'espère, parce que pour moi, tu es la femme de ma vie. Oh. Pour moi, tu veux. On aura des enfants, on aura une famille, si Dieu veut. On sera dans la joie. Et même on pourra. Enseigner à nos enfants bah, cette vision-là de l'amour et du pardon. Et puis voilà, c'est le principal, c'est que, bah, c'est que, voilà, que tout se passe bien dans ta vie. Moi, je veux que du bonheur pour toi. Même là, le fait que tu partes en Haïti, aux Bahamas, tout ça, bah, ça me fait plaisir parce que tu voyages, tu découvres d'autres pays. Et même pour ton père aussi, ça, vraiment, c'est touchant. Parce que là, tu vas le voir vraiment pour faire des grandes choses, pour des actes de pardon et pour aussi voir ton père, c'est plus important aussi, tu vois. Ouais. Et puis voilà, moi, je voulais vraiment te dire que je t'aime. Joyeux anniversaire, Diana. Non, avec ta belle voix. Je suis gênée. Non. Si. Non, dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma tenue du jour, enfin du soir, parce que tout à l'heure je t'ai habillée de toute façon. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je me suis mis comme ça. On a fait d'intéressant, genre on est parti acheter des souvenirs. Du coup, j'ai rien fait d'intéressant vraiment. Après le soir, on est parti dans un bar boire
un coca pour moi. Du coup, franchement, rien d'intéressant hier. Donc, j'ai pas snap, enfin, j'ai pas vlogué. Et bah là, aujourd'hui, c'est notre dernière journée. On a la vue à 20h45. Et on va à la plage. On va manger, on va à la plage. Et voilà. Franchement, le séjour, il était trop bien. Je m'appelle Chikin. Yeah. J'ai 28 ans. 28 ans. J'ai 28 ans. Yeah. Je vis à Bahamas. Hein? Je vis aux Bahamas. Je vis aux Bahamas. Yeah. Okay. Hi. Chikin. Don't turn the camera. It's a video. Yeah, video. Not picture. Video. Yes, okay. Mais là on est à contre-jour je pense. Ah ouais, ouais. Bon, bah, ah. Okay. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Yes, c'est Mitchell Binet. Dis, je m'appelle. Oh, je m'appelle Chikir. Yes. Welcome to the Bahamas. Yeah, thank you. J'ai 28 ans. Oh, j'ai 28 ans. Ok. Et je vis aux Bahamas. Oh, je vis aux Bahamas. Yes, welcome to Bahamas. Ça y est, c'est le dernier jour aux Bahamas. On a passé un bon moment. Un tatou, ouais. C'est bien. On se voit même pas. Je te jure, c'est pas grave, on s'en fout. On verra la caméra. En tout cas, on a passé un bon moment. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'est dommage, on rentre. On aurait aimé passer plus de jours. Ah. Ouais, encore 2-3 jours là. Ouais, ça aurait été bien. Mais on aurait bien profité de la plage. Grave, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave. On a passé de bons moments. On a rencontré des belles personnes, comme Shaquille. Donc, il est célibataire, hein, mesdames. Il cherche une meuf en France. Il va venir au mois de janvier. Hein. Donc, si on cherche un mec, TikTok, bien. Hein? Comme